Bonjour, eh bien, je suis très heureuse de vous proposer cette session de formation intitulée Cartographie subjective qui va nous permettre de réfléchir autrement à la question de la concertation et ses applications dans les structures, qu'il s'agisse de centres sociaux, d'établissements médico-sociaux ou de bailleurs sociaux. Donc je vous donne rendez-vous avec Elisa Boutin au sein de notre service formation continue en sciences humaines et sociales à l'UCLI. Elisa Boutin, je suis anthropologue spécialisée sur les thématiques d'appropriation partagée des lieux et des espaces. Et donc je propose une initiation, un outil de concertation collective qui s'appelle cartographie subjective. L'idée, c'est à la fois de pouvoir faire un état des lieux d'un espace qu'on utilise. Ça peut être un quartier, une résidence, un hall d'entrée, une salle d'activité. De pouvoir partager à la fois différents niveaux d'analyse et puis faire une proposition d'action. Donc c'est pour ça qu'on nomme cet outil diagnostic action et c'est aussi un outil de suivi. Ça permet d'organiser ensemble la manière dont on souhaite réinvestir des espaces qui sont parfois avec une utilisation, on est plus sur une lutte de territoire qu'un espace partagé et de trouver des médiations pour penser ensemble comment réinvestir les lieux de façon plus collective avec des usages qui sont justement partagés.